fuck out of here. He's pushing through. Je pense si je peux le faire comme ça. Ah merde. Ah ouais. Ramp. Ramp two guys. One more. Damn ramp. Yeah, one more ramp. Smoke shield. Ah, he's last. Du coup, si je veux compléter mes passes, faut que je fasse un nombre de premières choquant. Je réunis une squad de dégénérés, on full win, rapidement. Ça peut se faire, hein. Palace. Putain, je m'y attendais pas. Cette vidéo est sponsorisée par Skins Monkey, autrement dit peau de singe. Skins Monkey est un site de trading automatisé. Vous pourrez acheter, vendre ou échanger et tout ça instantanément vos 5 skins à 50$ contre un skin à 250, ou bien vos 100 skins à 2$ contre un à 200, ou bien votre skin à 2000 contre 10 à 200. C'est vous qui voyez, votre argent, votre choix. Vous aurez 5$ offerts si vous tradez au moins 100$. Vous aurez aussi la possibilité d'avoir un bonus de dépôt de 35% avec mon code en description pour pouvoir acheter des skins moins chers qu'ailleurs. Merci à Skins Monkey pour le partenariat et place à la vidéo. La farm les stars, ouais, un peu. On a fait un deathmatch tout à l'heure sur. Enfin, on a fait un occasionnel sur D2. Mais j'ai compris pourquoi ça donnait moins d'étoiles en fait. C'est juste parce que c'est beaucoup plus court. C'est un 8. Tout à l'heure, j'ai pris beaucoup parce que ça a fini en 12-10, un truc comme ça. Forcément, j'ai pris beaucoup. Donc, ouais, en gros, faire l'occasionnel, c'est plus rentable, c'est sûr. Mais c'est quoi? C'est x2, c'est pas non plus x5. Un truc comme ça. Under window. Hop là, petit KK47. Tu penses qu'un clip avec un kill à la flash, tu le donnes combien? Je note vos clips. Ça dépend. Ça dépend parce que justement dans le prochain je note vos clips, j'en ai eu un. Le truc c'est qu'il a pas fait moins 1, il a fait genre... Je sais pas comment, mais je crois qu'il est mort de la flash, mais il a pris genre 6 dégâts. Je sais plus si c'était une flash ou si c'était autre chose comme nade. Mais j'ai vu un clip comme ça il y a pas longtemps. Mais ouais, du coup, ça dépend vraiment. Ça peut être fait de plusieurs manières différentes. Entre 5 et 10, allez. Même si le 10 restera quand même exceptionnellement rare. Ceci dit, dans le prochain jeu de vos clips, je crois qu'il y a un 10. They're going back. Oh, we have bomb. Non, vraiment, le prochain je note vos clips, vous allez être putain de choqués. Tout. Allez, wouah! Oh non! I had a feeling we were being. Yeah, that was going to happen. Ah là là. Two more. Oh, you're small. Ah shit, with a bomb up mid. Oh, he's. Two mid. One may below. Putain, j'ai fait le taf. One is green. Yaps and under. Tetris. Grenade out. Tetris slow, I think. Je travaille comment le dos? Vous voulez ma séance dos? Ah, j'ai même pas besoin de regarder, je la connais par cœur. Traction, tirage horizontal. Et voilà, ces deux exos là. Ensuite j'ai deux exos biceps et run free ramp. Et dans ma séance dos j'ai un ou deux exos abdos je crois. Ah c'est trop grave! Ah je fais combien de kilos? Ah je croyais que tu me demandais combien... Non moi je pèse...
Depuis que je suis rentré de Bali, là, je pesais 75.4, mais en vrai, mon poids, il est à 77 maintenant. 77 kilos. Plateforme. Mon objectif, c'est là... En novembre, mon objectif, c'est d'arriver à 78,5 environ. Et d'après, repartir sur une petite sèche d'un mois et demi pour redescendre à 74. Ou bien de 2 mois pour redescendre plus proprement à 74. Donc voilà, voilà le projet, la team. Mais là, vous verrez mon physique comparé à celui de... Ah, à chaque fois, je parle dans des moments cruciaux. Je peux pas me concentrer sur la game, je suis un golemon. Et ouais, forcément, je fais du 3-8. Bah ouais, je suis pas concentré. Ouais, du coup, je disais, vous verrez la transfo entre il y a 500 jours et maintenant. C'est une dinguerie. C'est vraiment effrayant. Hein. Oh merde. Aps. Et aussi prendre du muscle. C'est trop exceptionnel. Savoir que tu prends du muscle à 100%, c'est exceptionnel. Genre là, je sais que je mange 3000 cal, je m'entraîne. Bonne exécution. Nombre de séries correct. Enfin, volume correct du coup. 3000 cal, je sais qu'il n'y a aucun monde où je peux louper. Je peux pas échouer. Même en me reposant mal, je pense, je peux pas échouer là. Tous les astres sont alignés. Maintenant, faut que je trouve la même recette pour réussir à reprendre sur YouTube. Alors, tu vas au feeling. Encore ? Mais non ! What the... Oh, c'est trop frère. It's two times today I do a double with Deagle. What the fuck? Ah, j'ai trop... Ah, quelqu'un me fait un bon clip, s'il vous plaît, cette fois. Je crois que l'autre, il a pas été clippé. S'il vous plaît, un browser. Laissez-moi faire mon round. Laissez-moi me concentrer un peu. Et je vous explique le game changer que c'est. En gros, il faut être sérieux. Faut pas dire, ça prend du temps, c'est chiant. Ça prend 5 à 10 minutes par jour. Arrête de casser les couilles. Voilà, ça c'est dit. Ça prend pas plus de temps et ça te fait gagner une progression monstre à la salle. Donc en gros, tu vas marquer tous les jours ce que tu manges, les quantités. Du coup, ça va rentrer les calories. Et à la fin de la journée, tu auras tes calories, tes glucides, protéines, lipides, etc. Donc imaginons... Voilà, imaginons j'ai 2700 calories. Tu marques aussi ton poids tous les jours. Tu marques ton poids et le nombre de calories que tu as mangé. Et au fur et à mesure, au bout d'une semaine, ça va te faire une courbe de tendance de à quel point tu as pris du poids par rapport aux calories que tu as mangé. Et automatiquement, en parallèle, tu vas aussi lui dire mon objectif, c'est que dans... Allez, d'ici 3 mois, j'ai perdu 3 kilos. Et du coup, lui, il va te dire ok, bah là, vu que ton poids, il a fait ça, alors qu'en moyenne, cette semaine, tu as mangé 2600 calories. Bah pour avancer de manière optimale vers ton objectif, il va falloir que tu enlèves 100 calories. Et toutes les semaines, du coup, il va te dire ouais, ok, cette semaine, il s'est passé ça avec ton poids. Et bah aujourd'hui, la semaine prochaine, tu vas re-enlever des calories, etc., etc. Et à la fin, normalement, si tu as bien suivi ce que Macrofactory t'a dit, tu atteins ton objectif. Parce que c'est inévitable. Ton poids, t'as pas assez perdu de poids, c'est que tu dois manger. C'est que tu dois réduire tes calories. T'as trop perdu de poids, c'est que tu dois les remonter. Et il n'y a pas de place au sentiment là. Mais ça coûte 15 balles. Je sais plus combien ça coûte, mais ça a un prix par mois. Mais bon, hein. Si tu veux progresser, genre c'est 3 fois moins cher qu'un abonnement à la muscu et c'est trop worse. Avec le lycée, c'est compliqué. Même pas si tu vas au lycée, tu sais ce que tu manges. Tu rentres dans l'appli, voilà, pâte, viande. T'essayes de mettre à peu près combien t'as mangé. Même moi, croyez pas que je suis un big tryhard et que je fais que ça de tout compter. Hein. Des fois je mange au hasard, mais j'essaye de... Des fois je mange au hasard, des fois je bois de l'alcool, des fois j'en m'envoie des chips. Et là tu peux essayer de viser, mais tu peux pas être archi précis, mais c'est mieux quand même d'estimer. Puis au fur et à mesure, en fait, j'ai tellement compté mes calories que tu me montres un plat, je sais à peu près dire combien il y a de calories dedans
à 20% près, on va dire. Ah bon, je m'en les couilles. C'est une balade cette game 1, même si on perd. Et c'est mieux que MyFitnessPal ou MyFitnessPal. J'avais fait une sèche, une prise de masse avec. Le problème avec MyFitnessPal, c'est que certes, tu rentres ton poids, tu rentres tes calories, mais l'appli te donne pas de conseils. Il y a moins d'insight. Et là, t'as même des courbes qui te disent, en fonction de tes stats, combien tu devrais manger pour rester au même poids. Du coup, je connais ma maintenance. Et je sais qu'elle est à 2008. Ça, c'est stylé de fou aussi. Il y a plein de petites stats comme ça sur ton personnage. C'est un peu comme ça que je le vois. Je l'ai déjà dit plein de fois ça en stream, mais c'est des stats sur mon personnage, j'aime trop. Oh là là, je suis... Ah, c'est incroyable. Une balle, je l'ai mis. Après, il me semble qu'il y a des sites qui comparent le prix des skins sur d'autres sites, etc. Donc ça peut être worth de voir par là. Ah, c'est un coup à se faire pendant son duty. J'ai mis moins 2. Moins 2. Chronoscope dans la tête. Que moins 2. Skin Monkey, évidemment. Skin Monkey. Deadshot. One con. Oh merde. Short. Il est flashed. Je vais mourir ici. Je mourrai en faisant un max de kill. Oui. Oh purée, y'en a un autre. Voilà, ça prend tous les risques. Con. Stairs. Oh là là, ça tire. J'ai dit que j'ai envie de prendre tous les risques. Ça tire avec des balles de 100 plomb 95 là. Oh non. Ah gros, quand je suis en feu, il y a des trucs bizarres qui rentrent. Hein. Le HP connector, hit with AVP. Ah bâtard. Ça touche tellement bien. Non. Oh putain. Unlucky. Putain les gars, la remontada, j'ai fait des dingueries à la WAP là, j'étais intouchable. Oh, oh, oh. Putain, mais j'ai combien? J'ai 29 étoiles. Oh.